Buenas trigas de votre bingue, dis Kestustal del Sildoc. Le salut que vous faut passer, le compliment à mes de l'Eric Andrieu qui venait de l'Inna à Massa, mais s'en a nado travailler à la région, a bien passé plus de temps pour demeurer un peu avec vous. Ça qui m'a chargé de vous faire passer à quelle salutation. La seconde cause que c'est important de dire que la mostra che è in place qui, la torneremo a chi è in place alla tutta cominciata del mese di gennaio del 2009 e demorerà in place fino al 24 aprile del 2009. E dins a questo tempo che partisse della cominciata di gennaio alla entrata fino a quasi la fine del mese d'avril, aurez la possibilità di accogliere, se possibile, di venire a visitare la mostra a una classe. E d'avance, noi ne vi ringraziamo perché pensiamo che di far tasta a Giove la possibilità di costeggiare gli occhi comunque a Giove. Merci. Ora è Gérard Zucchetto, che è stato all'inizio della mostra, che vi va presentare a Co. L'homme qui est affirmé nous ajoute parce qu'il gardera une trace de la présentation et de votre présentation. Tout à coup, ça s'appelle Camines et Troubas, et vous préparez des camines à une part. Et comme ce sont nombreux ici, nous caldera caminer une part léo-léo, parce qu'il y a moins de 200 ans de camines à faire, et à ben, sous domaine, mieux jour pour le faire. Donc, on va faire dans les deux langues, comme ça, ceux qui n'auront pas compris le roman ou le latin n'auront aucune excuse. Et on va commencer par le commencement, parce qu'avec les troubadours, il y a toujours un commencement. Donc, le commencement, Ezaquel, commençament, commençarai, commençant, parce que commençassai, un ver vertadier et verrai, et tout ver qui ramène et veillerai, si pourra, des cuja cujan, la cuja qui cujé, l'autre, cuja cujai, réprime premier, primamen, amphim, cusiries. Par le commencement, je commencerai, puis en commençant, puisque je sais commencer un vers véridique est vrai, tout à fait vrai, vraiment, et je verrai si je pourrais oublier en y pensant la pensée que je pensais l'an dernier, pensant en délicat penseur, en premier, finement, avec de subtils soucis, etc. Donc, évidemment, quand on écrit ce genre de poème, on s'aperçoit qu'on n'a pas affaire à des gens qui vont mendier quelques sous pour vivre de leur poésie, de leur chanson. Je le dis à chaque fois, où que je me trouve dans le monde, parce qu'il est bon de le dire, parce que c'est tellement ancré en nous que les troubadours, ce sont des gens qui sont comme ci, comme ça, qui se baladent avec leur lutte sur le dos, qui ne réfléchissent pas, qui chantent et à qui on jette un bout de pain de temps en temps, que l'on oublie toujours l'essentiel. Donc l'essentiel est le trouba, qu'est-ce le trouba, troubar, troubadour, troubaire, juglar, etc. etc. On va découvrir ça. Alors... Premier amène, comment ça va, comment ça va, qu'est-ce à quel. Donc, Guillaume de Peiteus, troubadour, comte d'abord. D'abord, comte. Deuxièmement, amoureux de la vicomtesse de Châtellerault. Troisièmement, pour ça, excommunié quatre fois. Vicomtesse de Châtellerault, nommée la Dangerouse, à bon escient. Et il écrit le premier, les claus, les contre-claus de Troubard. Ça veut dire, qu'est-ce que le Troubard? C'est un atelier dans lequel on forge des mots. Et il faut savoir que ce mot, forger des mots, fabrica, obra, fabrica, c'est le mot clé, non pas seulement du Troubard, mais c'est le mot clé également du Dolce Stil Nuovo. Parce que sans Dante Alighieri, sans Francesco Petrarca, je ne serai même pas là pour vous parler du Troubard. Parce que Stendhal, Rostand, Swinburne, Heinrich Heine, ils arrivent bien après, bien après, bien après. Donc là, nous sommes au début. Ça veut dire, pourquoi je vous parle du Troubard? Parce que tout à coup, on a étudié la Divina Commedia de Dante, on a découvert que la Laura de Francesco Petrarca n'est ni plus ni moins que le titre d'un poème de Arnaud Daniel, etc. Donc, comment on arrive là, aujourd'hui? Et pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi je vous en parle? Et donc, je suis l'auteur de cette exposition, et j'y ai passé beaucoup de temps, parce que c'est bien d'avoir des textes, mais après, il faut mettre tout en ordre pour
expliquer. Vous connaissez, vous êtes des pédagogues. Donc, comment parler simplement de choses qui représentent quand même trois siècles de littérature et qui en ont influencé dix. Donc, il ne faut pas avoir peur de regarder la vérité en face. La vérité en face, elle est simple. Ce sont des manuscrits. On a affaire à des manuscrits. Ces manuscrits, ils ont des vidas, ils ont des poèmes, ils ont des enluminures, et ils ont des textes, et ils ont, comme je disais, des claves et des contre-claves, et ils ont des affirmations de langage. Amour, joy, jubin. Le premier à avoir écrit ça, c'est Guillaume de Peyteus, dont on sait qu'il était comte de Poitiers, duc d'Aquitaine et d'Anjou. Il a employé les mots « Mercequier à mon compagnon, sans lui tort qu'elle m'a perdu, était auprès de Saint Jésus del trou, était un roumain, était un latin, en roman et en latin. » Ça veut dire qu'on admet qu'il y a le latin, puisque c'est une évidence absolue et folle dans tous les actes notariés, de mariage, etc. Mais il y a le roman, et c'est ce qui va déterminer toute la littérature occitane qui va suivre. C'est l'emploi de la langue romane. À l'époque dont on parle, on se baladait beaucoup à cheval. Donc, on cheminait sur le pas ternaire. Le rythme était ternaire. Aujourd'hui, nous sommes debout, nous sommes sur deux jambes, et aussi on est dans un rythme binaire. On va plus vite. Les manuscrits. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur deux manuscrits essentiellement, 12 473 FR de la Bibliothèque nationale et 22 543 FR de la Bibliothèque nationale. Un, le dernier, 22 543, c'est pour la notation musicale, et le 12 473, c'est pour ce qui est des vidas et des raseaux. Donc là, on a parfaitement l'illustration de ce qui va commencer sur une page les chansons de troubadour. On appelle ça la vida. Donc, vous arrivez à lire, hein, c'est pas loin de l'Occitan d'aujourd'hui, Aiméric de Péguillan, Sifo de Toulouse, fils d'une bourgeoise, etc. Hein, d'accord, ça, vous aurez le temps, puisque vous êtes dans cette salle, d'y jeter un œil, peut-être tout à l'heure ou pas. Et ensuite, suit la chanson. Quelquefois, les chansons sont classées et même numérotées, comme on le voit ici, pour les chansons d'Azimar Lunegre. Et ensuite, il y a le poète dont je viens de parler tout à l'heure, là, Comensara et Per Unver, Vertalier, Verail, etc. C'était Guillaume Adhémar, dont on dit, dans la légende, parce que l'univers légendaire des troubadours, c'est très important, dont on dit dans la légende que c'était un joueur de dés et qu'il perdit sa fortune au dés. Alors, bien sûr, l'enlumineur le montre comme ça, jouant au dés, ici. Donc, Guillaume Adhémar, Guillaume Magré, pardon, pas Adhémar. Pour les manuscrits musicaux, voilà, on a par exemple, pour les manuscrits musicaux, voilà comment ça se présente à la Bibliothèque nationale dans le 22 543 dont je parlais. Ça veut dire, c'est très clair, hein, c'est... Il ne faut pas se faire un monde de ce que c'est. C'est une écriture musicale totalement banale, on va dire. Sauf que c'est en grégorien, mais bon, il suffit d'apprendre à déchiffrer le grégorien comme la musique d'aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Et on se retrouve dans l'Occitan. Donc, sur les manuscrits musicaux, ce qui est très bien, c'est qu'on est dans des choses précises. Mais alors attention, on est précis dans la mélodie, très précis d'ailleurs. Mais par contre, on n'est pas dans le rythme, parce que le rythme n'est pas noté. Ça veut dire qu'on retrouve des barres qui ne sont pas du tout des barres de mesure, mais qui sont des barres de respiration. Parce qu'au Moyen-Âge, on faisait des respirations. Là, par exemple, « Nunes meravellos yaucham, el de nulautre chantadu » Et on recommence. Donc voilà, barre de respiration égale barre de rime, égale aussi ornementation développée au maximum dans le système modal qui est celui de ré, de la, de fa, de do, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, à moins que vous ayez des questions sur la musique. Est-ce que vous avez des questions sur la musique? Vous êtes bien timide, hein?
vous devriez en profiter. Bon, pas de questions sur la musique, c'est pas grave. Donc, on revient à Dante. Je vous présente Père d'Alverne. C'est notre plus grand troubadour, le plus docte de tous. Et comme disait Dante Alighieri, il savait tout faire et rien faire en même temps. Mais c'est pas grave, c'était le plus important. Il a inventé ce qu'on appelait, avec ses copains, il a inventé le troubar natural. Approchez, approchez. Bon, alors maintenant, on va arriver un peu chez les dames troubadours. Voilà, tiens. Alors, je disais tout à l'heure que... Voilà, donc, j'ai beaucoup parlé des hommes troubadours, là, tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y avait des femmes troubadours. Alors ça, c'est un vaste débat, parce que un jour, en parlant avec Pierre Beck, on a eu une longue discussion là-dessus, et on... Alors, c'est... Ça pose un problème qui est le suivant. C'est que les femmes troubadours, elles ont existé, ça fait aucun doute. Elles ont écrit, ça fait aucun doute non plus. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, mais ça ne m'étonne pas, moi, parce qu'il y a beaucoup de machos qui s'intéressent aux troubadours, donc quelque part, ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent, là, je veux dire des philologues, des gens qui étudient les troubadours de façon sérieuse, qui pensent qu'elles n'ont jamais existé, les femmes troubadours, et que ce sont des hommes qui ont signé à la place des femmes. Pourtant, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a des sujets, notamment sur la contraception, qui sont débattus en chanson, et qui sont vraiment des sujets de femmes. Également, l'initiation de la jeune fille à devenir femme, et qui sont débattus, qui sont aussi des sujets de femmes. Bon, en tout cas, pour ce qui est des femmes troubadours, on n'a pas beaucoup de textes, il en reste, et il reste notamment un texte de la comtesse de Die. Je cherche mon amie Sandra, qui est là, voilà. qui est un texte qui est noté avec la musique, et c'est vraiment, enfin, voilà, à moins que, je sais bien qu'on est dans la poésie homosexuelle, etc. Il faut, c'est très important, hein, ça, chez les troubadours, la poésie homosexuelle, compagnon, etc. Puisque c'est la base même de la poésie, de la première poésie andalouse, la poésie homosexuelle, dont on est au combat, on s'aime, et on se chante, et on se... Voilà. Chez les femmes troubadours, l'expression, indépendamment de ces jeux initiatiques qui sont à rapprocher des chansons de mai, sont une autre expression. Par exemple, la comtesse de Die, dans cette chanson, à propos d'un amour raté, malheureux, avec Raymond d'Orange, et il y a cette mélodie. Alors, on peut bien écouter un petit bout, notamment, de cette mélodie de la comtesse de Die. C'est « Achantar, mère des Sokéonou ». Vous le rire, je vais chanter ce que je ne pensais pas avoir à chanter. Et elle parle de cet amour malheureux. Mais tous les mots qu'elle emploie, c'est une chanson que vous connaissez peut-être, parce que si vous travaillez dans le domaine de la langue occitane, il faut bien regarder le texte, et on s'aperçoit que c'est quand même assez difficile pour un homme d'écrire ce type de propos. C'est pour ça ce qui me fait dire que moi, personnellement, je fais partie du parti de ceux qui croient que les femmes troubadours ont existé réellement. Accentarmi adesso che io non vorria Tammeran che dili chi sia mia Cari la maeschina ren che sia Vesli non valmersis ni cortesia Ne momentets, ni mus prets, ni mus sens Catresim sondan ane traia, cum degreser seu fus desavides. Merci, Sandra. Donc, toutes ces chansons de troubadour, bon... On va très vite là, et on fait vraiment un survol, parce qu'il y aurait à parler beaucoup de la mélodie, de la façon dont elle est composée, etc. Mais bon,
n'est pas. On survole. Donc, je vous ai parlé de cette première période, et puis là, nous sommes dans la deuxième période des troubadours. Les troubadours ne vont plus passer à l'amour, et comme écrit le grand troubadour Père Cardinal, l'heure n'est plus aux chansons d'amour, et là, il y a toute une école de troubards qui va se mettre à écrire des sirventes. Et donc l'écriture poétique devient à ce moment-là l'écriture de tout sauf de l'amour. Alors on a Montagnagol, Raymond de Miraval, Peyre Cardinal, quoique Raymond de Miraval c'est encore la jonction, on va encore parler de l'amour, et on rentre dans la poésie politique. Alors bon, la poésie politique, je pense que le meilleur exemple c'est Guillaume Figuera. Guillaume Figuera de Toulouse, qui a écrit une de ses chansons terribles contre l'Église de Rome, Rome qui nous assassine, Rome contre les clercs, etc. etc. Vraiment le plus virulent de tous les troubadours, Guillaume Figuera. Et c'est à ce moment-là où on peut se poser la question, mais quel est le public des troubadours ? Donc, je vous renvoie à un livre de Maria Meneghetti là-dessus, qui est très bien, sur le public, il pubblico dei trovatori. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va se référer à des textes à Toulouse. Alors, à Toulouse, un certain Baragnon est interrogé par l'inquisiteur, Jacques Fournier. Donc, c'est très important, parce que c'était un inquisiteur qui était comme tous les inquisiteurs, c'était un con, mais un méchant, il était là pour ça, hein. Il était là pour tuer les gens, ou plutôt les faire tuer, parce que bien sûr, l'inquisiteur ne tue pas directement. Et défiler devant lui, tout le monde en disant... Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle Baragnon, qui arrive, moi, voilà, et qui commence à réciter le poème de Guillaume Figuera, qui est terrible. Je ne sais pas si je le trouve rapidement, je vous en dis un petit bout. Si je ne le trouve pas. Voilà. Alors. Donc, je ne mets. Alors, on va le faire dans les deux langues. Allez, tiens, Rumo, triciairiz, cubeitats vous engano, ca vostre berbiz tundestrop de la lana. Lo sante spirit che resseu curs umano, entendomus prece, franimus pex, Roma non entre sex, car esfagno et trafano vas nus et vus grec. Rome tricheuse, la cupidité vous égare, car à vos brebis vous tendez trop de laine, etc., etc. Rome, aux hommes faibles, vous rongez la chair et l'os et vous guidez les aveugles avec vous dans la fosse, vous outrepassez les commandements de Dieu. Rome, en vérité, moi je sais sans nul doute qu'avec la tromperie d'un faux pardon, vous avez livré à la torture les barons de France et les barons de France, loin du paradis et le bon roi Louis, etc. Rome, je reprends bien confiance, car avant peu, vous finirez mal. C'est vous qui finirez mal. Si l'adroit empereur mène habilement son destin et fait ce qu'il doit faire, Rome, je vous le dis en vérité, votre puissance, nous la verrons déchoir. Ça, c'était bien vu. Je dirais que dans cette expo, on a voulu montrer aussi qu'à un moment, les troubadours ont influencé les autres mouvements d'idées littéraires en Europe. Bon, ça c'est une évidence quand je le dis comme ça, mais encore faut-il y regarder de près. Et on s'aperçoit par exemple que le troubadour Peyre Vidal a influencé le trouvère Gassé Brûlé, qui a fait cette belle chanson « Tant est yamé comme quand vient taïr », etc., qui lui-même a influencé le chanteur de 1900 qui s'appelle Neithard von Ruental. Donc une même chanson du troubadour Peyre Vidal, elle va parcourir 300 ans par l'intermédiaire d'un trouvère et par l'intermédiaire également d'un chanteur de la mine. La mine en allemand, c'est l'amour. Chanteur Minnesinger, chanteur de l'amour. Voilà. Il y a une petite chose à dire, c'est que
Effectivement, la dame allemande, compte tenu, comme la dame française d'ailleurs, compte tenu de leur position sociale dans la société, dans ce milieu d'hommes extrêmement machiste, on pouvait lui chanter des chansons d'amour, la dame allemande ne comprenait que quick, parce que c'était malheureusement sa place était reléguée à la faiseuse d'enfants, à la mère, hein, c'est tout, à la matrone. C'était la même chose pour c'était la même chose pour les sociétés françaises du Nord. Donc, ce qui était valable dans le sud de la France, en Occitanie, ou en Italie du Nord, également au Portugal et en Catalogne, et même en Sicile, n'était plus transposable. Et c'est plutôt comme ça, on va dire, que ça s'est étiolé. Et quand arrive le Dolce Signore de Dante Alighieri, Francesco Petrarca, c'est sûr qu'ils ont été supplantés à leur propre jeu, les troubadours. On a largement dépassé l'heure. Hein. Donc je vous rends à vos chères études et je dirais que pour la suite, il faut lire les bouquins. Il y a encore toute la salle là où il y a des cartes à voir. Et puisque j'espère que vous aurez un peu de temps. Je vous remercie. Merci. Si vous avez des questions, là, allez-y.